De par le titre et mon accoutrement, vous devez imaginer, je viens faire de Ivorian tag, qui est le tag ivoirien, le tag ethnique ou le tag africain. Donc, vous voulez savoir un peu d'où je viens? Restez connectés. Donc, j'ai une liste de questions ici auxquelles je vais répondre aujourd'hui pour le tag ivoirien ou le tag africain. Donc, la première question est: de quelle vie viens-tu? Donc, je suis née à Yamoussoukro, qui est la capitale économique. Yamoussoukro, qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi à Abidjan. Abidjan, qui est la capitale politique. C'est ça, non? Est-ce que ça a changé tout ça? Bon. Donc, c'est ça. Je suis née à Yamoussoukro et j'ai vécu à Abidjan. Dans quel quartier d'Abidjan j'ai vécu? Je vivais à Angrais. Je ne suis pas trop sûre où on habitait parce qu'on venait juste de déménager quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Mais je sais qu'on habitait à Angrais vers... Je ne sais plus trop. Mais Angrais. On habitait à Angrais. OK. Quelle était la dernière fois où tu as visité l'Afrique? J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2008, novembre 2008, et je ne suis pas encore repartie. J'aimerais bien, mais je ne suis pas encore repartie. Donc, ça fait environ, je dirais 9 ans. Donc, le retour, ce sera pour peut-être prochainement, par la grâce de Dieu. OK. Une autre question est: quelle est ton ethnie? Mon ethnie, bon, ma mère, elle est Baoulé et mon père est Apollo Baoulé. Donc, je parle Baoulé. L'Apollo, pas trop, parce que mon papa même parlait, mon père même parlait le Baoulé. Donc, je suis Baoulé, Apollo, Nzima. Et nous, on tient un peu sur le Ghana, on a un peu les mêmes coutumes et autres là. Donc, c'est ça. Quel est mon nom africain? Mon nom africain est Aebe. Apparemment, ça signifie quelque chose en Baoulé et quelque chose en Apollo. En Baoulé, Aebe veut dire ce que tu leur as fait. Mais je suis pas trop sûre ce que ça signifie en Apollo. Je suis pas trop sûre ce que ça signifie en Apollo. OK. Quelle est mon actrice ivoirienne préférée? Donc, j'aime bien Adrienne Coutouin. Elle est trop forte. j'aime bien Emma Lewis aussi. Qui d'autre? Adrienne Coutouin, Zoumana, Guéivet. Oui, c'est mes top. Et Akissi Detta aussi. Akissi Detta. Donc, la prochaine question est: quel était mon film ivoirien préféré? J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé Balle Poussière. J'ai regardé ce film, et même la dernière, j'ai regardé ce film peut-être il y a 2 mois de cela. J'ai trop aimé, surtout la partie où on dit belote, rebelote. Donc, Balle Poussière. J'ai aussi aimé Ma Famille. Je ne manquais pas d'épisodes. Faut pas fâcher aussi. Mais actuellement, je ne suis pas trop sûre des autres films qui sont à la mode en ce moment là-bas parce qu'on n'a pas la télé ivoirienne d'où on est ici. Donc, la prochaine question me demande quel est mon artiste ivoirien préféré. J'aime bien les anciens temps. Mewé, j'aime Mewé. Les nouveaux artistes là. Serge Benoît, ça va? Je ne suis même pas au parfum de la musique ivoirienne en ce moment. Serge Benoît. Quoi d'autre? J'aime beaucoup les Zouglou, les Yodé et Siro. Quoi d'autre? Ouais. Oh, je suis perdue. Mais seulement retenez que j'aime beaucoup, mais oui. Mm-hmm. Mon autre question est: quelle est ma nourriture préférée? Wouh! Quand il s'agit de nourriture ivoirienne, il n'y a pas préféré de... Je mange tout. Parce que tout est bon. J'aime la loco. J'aime le garba, j'aime la tiéké poisson braisé, j'aime le foutou banane avec la sauce djumblé, et puis j'aime vraiment quand le foutou n'a pas de manioc dedans, et puis c'est bien sucré là. J'aime ça.
Placali, elle sauce copain. Et puis tu prends ta main comme ça, puis tu coupes comme ça là. J'aime ça. J'aime aussi l'ignambouille, un vrai baoulé, ignambouille avec aubergine un peu écrasée, là, et poisson grillé. Non, j'aime tout ce qui est en Côte d'Ivoire. La nourriture, sont là. J'aime. Mettez dans ma liste, j'aime tout. Ok, quelle était ma meilleure amie? Ma meilleure amie. Ok, ma meilleure amie, quand je grandissais, son nom, elle s'appelle Ketia. Elle était plus qu'elle était comme une soeur pour moi. J'ai eu aussi des amis au lycée. Il y a Emo Laurette, il y a Ami Sila, il y a Ami Koné. Ce sont des amis que j'ai eu au lycée. Mais malheureusement, la distance a fait que chacune est dans son monde, chacune a sa famille et autres. Mais on se parle quand le temps nous permet. Donc, ce sont mes meilleures amies ivoiriennes qui sont là. Donc, la prochaine question est: quel est mon meilleur souvenir de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire? Bon, il y a eu tellement de souvenirs. Mes meilleurs moments étaient quand j'étais au lycée, lycée jeune fille. Les expériences que j'ai eues en étant avec les jeunes filles du lycée. Mais je pense que mes meilleurs souvenirs en ce moment sont les moments que j'ai passés avec ma famille. Les 31, les 1er janvier, par exemple, on se retrouve en famille chez mon oncle, qui est malheureusement décédé maintenant. Il est décédé l'année passée. Ces moments qu'on passait chez lui en famille, c'était le 1er janvier, chez le chef de famille, où on mangeait, on riait, toute la famille était ensemble et autres. Donc maintenant qu'il n'est plus, je sais pas comment ça sera là-bas, mais ce sont mes meilleurs souvenirs, c'était les moments passés avec ma famille. Parce que ma famille me manque tellement. Mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes grand-mères, tout le monde me manque, tout le monde me manque. Ça fait 8 ans que je suis pas retournée. J'ai la chance de voir ma maman plus souvent, mais les autres, c'est pas aussi donné. Donc, mes meilleurs souvenirs étaient les moments que je passais avec ma famille. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus en Côte d'Ivoire? Tout! Je me demande si je n'étais pas ivoirienne là. Je n'allais pas être. Ah! Je suis ivoirienne là. Ça, c'est déjà une bénédiction. J'aime tout de mon pays. Mais surtout, ce que j'aime, la bonne humeur. Ah! Non. Les Ivoiriens ont la bonne humeur. Vraiment la bonne humeur. C'est-à-dire que quelquefois, quand je suis assise là, que je suis sur Facebook, je vais sur les sites ivoiriens là, rien qu'à lire les commentaires, la manière de penser des Ivoiriens, non, ils sont dynamiques. J'aime trop mon pays. Donc, il y a la bonne humeur, la diversité, on a tellement beaucoup d'autres nationalités dans le pays, la joie de vivre. Vous vous rappelez en 99-2000 quand le pays avait connu sa première crise post-électorale? Les chansons qui sont sorties de cette crise, les Ivoiriens s'amusaient. C'est-à-dire que, en Côte d'Ivoire, là, tu vis, tu ne survis pas, même si tu n'as rien en poche, là, tu vis. Parce qu'il y a cette chaleur qu'on ne trouve, je ne pense pas qu'on trouve dans d'autres pays. Donc là, si je n'étais pas Ivoirienne, là, je n'allais pas être. Hey, ma Côte d'Ivoire me manque. Les Ivoiriens sont formidables. On est formidables. Ma prochaine question, tes meilleures chansons, la prochaine question est les chansons que tu aimes le plus, les chansons ivoiriennes que tu aimes le plus en ce moment. Avant d'arriver dans les chansons du moment, là, je vais vous faire écouter une chanson. Et vous allez me dire, cette chanson-là seulement, là. Depuis combien d'années cette chanson-là jazz toujours? Oh my god! Hey! Ça me plaît trop! C'est-à-dire que tu peux être dans les soucis, tu es énervé et tout. Quand tu entends ces chansons ivoiriennes, ça te met le baume au cœur. Écoutez un peu. Hey, Marie! Marie, tu es! C'est pas la peine. Wow! Ok, donc, excusez le désordre. Donc, les chansons d'actualité, je ne suis pas trop d'actualité quand il s'agit de la musique ivoirienne en ce moment, mais j'aime bien Serge Benoît et sa chanson Karidjatou. Efga. Karidjatou. Garidatou, et vous savez ce que j'ai dit, non?
de moi. Je ne connais pas bien, mais c'est Karidja tout là. J'aime bien ça. Et puis, j'aime aussi. C'est Tienti qui chante ça, un vieux Paladji. Donc, c'est qui chante là? Je sais pas, je sais plus, mais on dit vieux Paladji. Donne le jeton, ça aide dans Bouboula. Voilà, ça aide dans Bouboula, c'est ça, mais j'aime ça en ce moment-là. Et puis, quoi d'autre? J'écoute un peu de tout quand j'ai le temps, mais actuellement, là, j'aime bien ces chansons-là. Donc, les filles et les gars, c'était mon tag ivoirien pour partager un peu mes origines, d'où je viens et autres. Donc, c'est les questions, je n'ai pas eu trop de questions, j'ai eu environ 10 questions auxquelles j'ai répondu. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, aidez-moi à avoir plus de souscrits. Donc, souscrivez, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager partout, partout, partout. Aimez, commentez, dites-moi ce que vous aimez plus. Dites-moi d'où vous venez, de quel pays d'Afrique vous venez. Dites-moi. Parlez-moi dans les commentaires, vous voyez, parlez-moi, vous pouvez répondre aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Donc, merci pour tout, je vous promets que j'apprécie vraiment le soutien que j'ai commencé à recevoir, que j'ai reçu depuis que j'ai ouvert ma chaîne. J'apprécie vraiment tout le monde. Si je pouvais toucher tout le monde partout dans la caméra pour vous dire merci, je le ferais, mais j'aimerais juste simplement vous dire merci, merci du fond de mon cœur. Pour le soutien, les partages de mes vidéos, le fait que vous partagez mes vidéos, vous aimez, vous regardez, vous commentez. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous vois prochainement avec une autre vidéo. Restez connectés. Bye. Restez connectés. Bye.